Parce que voilà quoi. Voilà. Bon, là on va se faire, comme tu le vois, on va se faire la barre de seuil. C'est une pause, nous, qui est collée là. Celle-ci avec collé, ouais. Il y Voilà, a passe. deux petits cordons de colle sous le papier blanc là. Un cordon de colle ici, un cordon de colle ici. Pourquoi? Pour le coller à cheval sur le carrelage et Non, mais et le pourquoi? marquer. Et là, pourquoi on met ça? Parce que en dessous, là, sous cette dalle, ici, la condition un peu spécifique, c'est un chauffage au sol. Je ne prends pas de risque à percer. Ok, mais ce serait quand même mieux en fixer que en coller. C'est mieux en fixation collée. En fixation collée, Ouais. c'est-à-dire qu'il clip et en plus qu'il colle. Ouais. C'est pareil, il faut éviter de mettre le doigt dessus, d'écraser le cordon, faut pas trop les écraser. C'est ça, parce que plus le cordon est arrondi, mieux il va tenir. Si on écrase le cordon, on l'aplatit, il a presque plus de lien entre le parquet et le carrelage. On a choisi du dôme rond parce qu'en fait, quand on va le positionner bah, comme ça, on se retrouve avec la partie dôme qui se trouve presque à la perpendiculaire du bas de la porte qui va être située là. Donc c'était pas mal. Et puis ça faisait moins le côté impact si c'était au droit et que la personne venait à marcher dessus, ça faisait moins pim. Voilà, on avait. Voilà. Et toi, t'avais conseillé donc là le côté brossé. Ouais, en brossé, pas de l'alu brillant, parce que plus on met des choses brillantes, c'est quand même un lieu de passage, donc après, à force, Ça raye. ça le raye, et puis brillant, il va se ternir avec les rayures. Que Puis ça là, se en voit prenant quoi. un brossé, ça va, ça reste. Voilà, ça reste plus C'est discret plus discret, ouais. à la rayure. Ok. Donc après, bien sûr, c'est toi qui choisis. Là, c'est un conseil basique parce que tu vois, on a deux couleurs qui s'opposent cruellement. Hein? Mais sinon, si tu as envie de prendre des choses dans la même teinte que le parquet, d'origine déjà, regarde si dans la marque, il te propose la Chez nuance. le fabricant, et si le fabricant, le vendeur de parquet a la même nuance du parquet avec le seuil, donc ça à Voilà. voir. Sinon, essaye pas de prendre un truc qui s'en rapproche et qui soit quand même en teinte différente parce que des fois, Ça choque. ça choque. Donc, vaut mieux trancher directement, comme ça on sait que c'est fait pour, On est que se dans une maison dire. moderne, donc après voilà, il y a Voilà. ici, donc on n'a pas trop de Regarde, là, soucis. nous on a tranché directement et tu verras à la fin, ça va faire bien. Voilà. C'est comme si ça avait son espace, ça avait son espace et ça, on voit bien que c'est un lien qui fait la liaison. Mais si on essaie de faire la liaison correspondante de la même teinte pour arriver sur le gris et que la teinte est différente au milieu, on voit bien que c'est un genre de rafistolage quoi. Ça choque plus facilement. Donc c'est pour ça que souvent ce genre de choses est présenté même par les professionnels. Ça tranche et puis il y a aussi un côté texture de surface. Toutes les choses qui ont un petit peu des plaquages qui finissent par prendre des coutes. Ouais, il y a des seuils où c'est du papier décor, donc c'est un adhésif qui est collé dessus, et il suffit après d'abîmer le dessus du. C'est Voilà. adhésif, hein, c'est du vinyle, Et ça se et raye, mais ça des se fois raye après. dans la première semaine, des fois, j'ai vu. Hein. Donc, Voilà. voilà. Bon, on est parti. Ok. Alors, je te laisse faire expliquer ta prise de mesure, tout ça. Je te prends la main. Attends, laisse-moi 2 secondes. Tac. Donc Et là, on part bien. ce que je vais faire, je vais tailler. Là, moi, je vais venir avec le seuil. Je vais venir le ramener de là jusqu'ici. Mais je vais tailler au ciseau à bois cette petite partie-là, juste pour tailler là, que comme ça, le seuil, lui, s'engage sous la Tu porte. préfères engager le seuil que découper autour. Si on loupe la coupe, c'est pas non plus joli joli. Je préfère faire une petite découpe, et comme ça, lui, en plus, on n'a rien qui me gêne. Moi, après, ce que je fais, je vais le galber au milieu, je vais l'engager d'un côté, hein, je l'engage de l'autre, et après, je le pose et il bouge plus. Ça Ah donne ouais? un meilleur lien au niveau tenue. Ok. Donc, comme ça. Ouais. Et on rappelle que dans notre configuration, nous, c'est parce que regarde. C'est pas nous qui avons lu ça, mais là le carrelage est arrêté avant et il est arrêté après. Mais toi, normalement, ta barre de seuil, tu l'engages comment par rapport. Regarde, nous, là, regarde là, tu vois, le gond est là, la porte est devant. Donc c'est un peu compliqué, mais dans une porte, d'habitude, tu vois, genre une cloison placo, avec Normalement, un le seuil dormant. se met à mi-feu. Là, il se met à mi-feuillure. Là, le problème, c'est que le carrelage, il aurait dû venir. Le seuil est censé être Le non visible sous carrelage, la porte, quoi. non, il aurait dû arriver ici. Voilà, là où je fais le trou au crayon. Il aurait dû arriver ici. Et moi, j'aurais fait le parquet ici, arrêté là. Voilà. Voilà. Vas-y. Alors, donc du coup, comment tu fais tes prises de mesure? Tu le Là, je présentes? me présente, donc je me remets le bord de mon seuil ici, au bord du bâti, et puis après je fais mon tracé, et après je me munis du ciseau à bois,
Et je joue au ciseau à bois, le tout petit, tranquillement. Voilà. Ok. J'ai coupé ça jusqu'ici. Et puis après, vous allez voir la suite des choses. Et on fait la même chose en face. Voilà. Ok. Et après, à plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez. Voilà, c'est tout. Là, on va faire voir déjà comment. Voilà. Encore un petit peu de joint qui gêne là. Et sinon, en finition, voilà. On va essayer encore le joint qui gêne. On a l'aspirateur qui est branché. Oui. Toi ? Non, on va être bien. C'est quand même plus joli. Non, on va être propre. Hein. Ouais. Il y a des moments, c'est sûr que. Ouais, bon. Mais bon, résultat, on est quand même. Parce qu'on arrive sur la pointe, c'est un peu plus fragile, il était de casser tout, et bon, je pense qu'il s'est bien cassé. Voilà, ouais, elle bouge un petit peu, mais si on refera un tout petit joint acrylique, on reprendra un tout petit peu, mais après c'est bon. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre notre cote ici. Et après, il n'y a plus qu'à le poser. Ok. Voilà. Allez, prise de cote. Et tu ouvres tout qu'au dernier moment. Ouais. Je refais montrer ici. Voilà. Et puis je reprends une équerre. Après, et puis je fais un coup de scie à mes tours. Et voilà. Voilà. Et puis on va couper ça la scie à moto. Ah voilà. Pour éviter établir la moquette. Pour éviter que la limaille vienne se poser sur le plancher. Je préfère que ça aille sur mon bout de moquette que sur le parquet. Tant mieux, ça va dedans. Il y a un petit coup, mais bon, il sera caché. Ça, l'aluminium, alors pourquoi il y a le moment, ça rip? C'est parce que quand on coupe, la lame de scie à métaux se charge de colle sur la dentition, vu que c'est très poisseux. La colle se met dessus, et à un moment, c'est pour ça que ça devient dur à couper. Donc là, je vais faire une pose à blanc, voir ce que ça donne, résultat. Alors, pour le passer, je le prends, je le lève, là, ici. Attends. Et je le passe comme ça, voilà. Voilà. Et après, on va le coller. Je vais quand même refaire un cordon. Sachant que, bon, là, c'est ce cadre figure-là, hein, parce que ce qu'il y a, c'est que des fois, c'est des lames de mauvaise qualité, et quand tu fais ça, ça plie sur le milieu et ça revient pas.